Dans cette seconde vidéo, nous allons continuer. Bon, ce que vous remarquez ici, كيفاش يبان باي تشارم دو مانيير باش تشوفوا بيان واش نكتب اوليو كو يكون سومبر ولا بدلتو هكذا. بون، الحاجه الاولى كي لوسكو vous avez votre fichier هذايا تشوفوا الفوق لهنا مكتوب add configuration. دونك تجوا لهنايا vous cliquez pour que par exemple حبيتو تيكزيكيتي واحد باي تشارم ديروا هكذايا. دونك add new Python. Vous sélectionnez là-dedans. Normalement, ça devrait sortir le comme là-haut, the script path. Donc vous cliquez là-haut. Vous allez où vous avez créé votre Python project, c'est le projet de vous. Mettez OK. D'accord, c'est bon. Apply. OK. Et pour le moment, il n'y a rien, donc cliquez là, mais je vais aller. D'accord? Donc, process finished with exit 0, maintenant, c'est bien. Bon, nous allons créer maintenant. Là, on va exécuter notre. Une démonstration de Networks. Pour ce faire, on dit import. Donc, comme c'est un module, donc on va l'importer. Donc, Networks. OK. Et on va l'importer comme NX. Lorsqu'on fait ça, import as, c'est que comment il va se représenter le programme. Au lieu de chaque fois que tu veux Networks, on peut lui donner n'importe quoi. Donc, on a NX pour simplifier. On va aussi importer. Aussi, il faut noter ici, donc en ce moment-là, Hadja qui est en gris là, mademoiselle n'a pas été encore utilisé pour Python. Donc import matplotlib. Donc, et on va importer pyplot. Hadja, ça nous permet d'afficher. Plot, ça veut dire dessiner, to plot. Donc. Et on va l'importer as plt, juste pour plot. Donc on a ça. Qu'on va faire, on va créer un graphe. Donc on va créer un graphe, on va le dessiner et on va invoquer le plot pour l'afficher sur l'écran. Donc le graphe est un G. J'ai un x d'autre graphe. Pour le moment, d'accord. Et on va le dessiner. Donc c'est un x draw. Et là, on va on va afficher le graphe tana G. D'accord? Et on va tout simplement plt.show. Alors, premier programme tana. On va le sauvegarder CTRL S. On va essayer de l'exécuter ici, PyCharm, je vais chercher le nom. Voilà, Fajna, Hadaya. Hadaya, donc le dessin Tana. Donc, vous pouvez le maximiser ou là, peu importe, mais quelque chose qui est intéressant, Hadaya, vous pouvez par exemple sauvegarder le dessin avec d'autres fonctionnaires. Nous ferons plus tard. D'accord? C'est bien. On va maintenant créer un. Donc, Networks Hadaya, on peut créer ce qu'on appelle des nœuds. Donc, comme dans un réseau, c'est des éléments dans le réseau où les nœuds sont connectés entre eux. D'accord? Pour ce faire, on peut prendre
prendre tout simplement notre, par exemple, notre graphe et on va faire l'hnaya add. Donc, fil add hada, il y a pratiquement deux choses. Add a node ou là, add an edge. Node, ça veut dire un nœud, donc un objet. Un edge, c'est les connexions. Donc, on ne peut pas avoir un nœud et une connexion. On ne peut pas avoir une connexion avec un seul nœud. Donc, il faut entre deux nœuds. Le minimum connexion, ça se fait entre deux nœuds. Donc, on va mal où on va. Je trouve qu'il va chercher pour afficher le nœud Tana. Donc, on dirait add the node. D'accord? Et node, là, le tatel a un nom. Le nom Taha, il peut être un nombre entier. Ça peut être du texte, c'est-à-dire string. Ça peut être une lettre avec un chiffre ou là. Ça peut être aussi une image. D'accord? Bon, là, on va se contenter d'un truc simple. Un texte pour qu'on puisse voir. C'est mieux où le node Tana ou le nœud, c'est mieux où N1. Ou le N0, par exemple. Le premier, c'est mieux où N0. Donc, une fois on fait ça, donc, add node, blablabla, le qui m'a rahi, dire le contrôle S pour sauvegarder, et on exécute notre programme. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Voilà, il nous affiche le premier point linéaire. Un nœud, il est bleu par défaut. On va voir qu'il fait. Ce qu'on remarque, c'est que, premièrement, le N0 n'apparaît pas. Voilà, le chemin n'apparaît pas. On va voir comment changer de couleur tannée en ce moment-là. Bon, pour que le N0 s'affiche, on dirait labels with labels. Voilà, with labels, on dirait égal à true. Sauvegarder. On va réexécuter. Et maintenant, le N0 est bien flawless. Bon, vous remarquez, là, on a belé le N0 pratiquement occupe la dimension de le cercle. On peut aussi changer par exemple, la fonte. On peut, c'est-à-dire la police. Fonte, c'est police de caractère. Donc, on peut changer police de caractère, dire en gras ou là. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ça. C'est Hajjadra. Et on va essayer d'augmenter la dimension de le nœud. Bon, pour la dimension, donc on fait node underscore size égale 0, 0, 2000. Vous savez comme c'est que fin de la vidéo, la description, comme le lien direct à le networks, la documentation, d'accord? Quelle documentation, quelle est un site, il fait un tutoriel et vous pouvez le consulter. C'est intéressant pour que les gens les aiment. Donc, on va exécuter. Je vous voilà. خرج بيان ان زيرو وعندنا نو تبان بيان كبيرة انتيك بون ce qu'on va faire maintenant on va changer la couleur تاع النو هذا d'accord vous avez certainement deviné donc pour changer la couleur on dit node color égal dire un texte moi je t'abonne dire green, ce qui est vert. Donc, save. On va lancer le programme. Voilà, c'est green. Bon, on va créer un autre nœud et on va essayer de les connecter. Donc, pour créer un autre nœud, on va faire la même chose. Donc, j'ai dot add node ou simulation 1. D'accord? Et là, pour le moment, si on exécute tel qu'il est, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner N1, N0 et N1. Donc, ils ont été placés avec DAC.
Et là, ma cache à connexion. Donc, pour faire la connexion, qui fait tout mon billet, je fais un appel, un dirou G, add, edge. Ou l'edge Hadaya, c'est entre, donc, entre N1. Donc, entre N1 et N. Non. Chez N1 et N2, c'est N0 parce que ma cache N2. Donc, et N1. J'aurais dû me dire mon frère N1 et N2, c'est mieux. Ok, on exécute. Et voilà, donc connecté N1, ma N0. On va voir qui fait. D'une zama qui n'a pas plusieurs nœuds, par exemple, on va faire plusieurs nœuds maintenant. Je vais vous montrer rapidement. Donc, comme vous pouvez voir, donc tout simplement, j'ai fait delta n0 n1, donc add node n1, add node n2, add node n3, badna edge, c'est-à-dire connexion entre n1 et n2, connexion entre n1 et n3, connexion entre n2 et n3. Le reste est le même. Donc, si on exécute, allez, voilà. Donc, Atana a le type de connexion. On va voir, par exemple, là, quand vous cliquez ou là, vous pouvez le faire sur l'autre, la dimension terre, ou maintenant, le zoomer, ou là, d'accord. Pour le positionnement, on va voir plus tard qui fait le positionnement. Pour le moment, on va faire la manière, c'est juste pour vous expliquer. Maintenant, on va voir une méthode plus intéressante. Au lieu d'écrire Hagdan, on dira d'une manière intéressante. D'accord? D'une manière facile, au lieu de faire add node 1, 1, 2, 3. Parce qu'on voit plus qu'il y a les nodes, plus Hada, ça va être Hadja Kibera. On va voir qu'il fait Hadja Loulan, de manière à ce que qu'on a une liste. Les nœuds, mais qu'on a une liste à les nœuds. Et on va les tout simplement créer les connexions binatron. Et on va voir comment on va changer les couleurs de chaque nœud pour que ça soit intéressant. On peut même, Zama, changer les couleurs de chaque nœud. Bon, le Hajalula, qui m'a la couleur, il y a un node color. Vous n'êtes pas obligé de. La couleur pour green, Y pour yellow, R pour red, B pour blue ou la black. Bon, sauvegarder, lancer. Voilà, de mademoiselle la green. Donc, je vois qu'il fait un blue chaque nœud, la couleur de chaque nœud. Bon, là, il y a N1, N2 et N3. Donc, on va créer une liste à les couleurs. Donc, N1, ça va être. Automatiquement, à l'ordre, ils ont été créés. Donc, 0, N1 égale, c'est green, c'est vert. N2, ça va être rouge. Et N3, ça va être bleu. D'accord? On va fermer la liste à l'IA, sauvegarder et on va exécuter. Voilà. N1, c'est green, red et bleu. D'accord? On va bien aller. Maintenant, on va faire en sorte que la prochaine vidéo, on va améliorer, à dire, au lieu de faire Zama 1, 1, 1, 2, 1, 3, on va faire d'une autre manière plus pratique. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.